Bonjour et bienvenue pour un nouveau test de jeu d'horreur qui s'appelle ce Darkest World. C'est parti. Donc j'espère qu'il va pas bugger parce que tout à l'heure il avait bugué le jeu, donc j'espère qu'il bug pas. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire dans le jeu, ni ce qu'il faut faire. Tout ce que je sais, c'est que ça parle d'un hôpital psychiatrique. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne buggera pas, j'espère que ça ne buggera pas. Donc si je perds, ce sera qu'une fois, hein, parce que bon, il m'a l'air d'être un peu effrayant ce putain de jeu. Ça va pas tarder, je pense. Enfin, j'espère. Le chargement m'a l'air bien long. Ah. A-t-il marché ou me faire chier? Oh my god, comme c'est lent! Ah bah, je ne comptais pas faire de test, mais vu que j'ai téléchargé ce jeu, je me dis pourquoi pas en profiter avec vous. Au moins, comme ça, c'est fait. Je mettrai la description du jeu demain. Ou après-demain, je sais pas, on verra. Déjà, il faut qu'il marche. Et il me casse les couilles. Ah putain, allez. En plus, j'avais déjà joué un peu, il avait l'air de marcher, donc je sais pas ce qu'il a. Le chargement est assez long. Attention, peut-être. Ok, c'est parti. Alors, test, hein, c'est plus. Ok, je m'en. Il faut trouver une clé, c'est ça? Allez, bon, vu qu'il y a deux vies et qu'apparemment il y a des vies d'autres, je pense qu'on va jouer à un jeu de tir. Logiquement. Allez, ça commence bien, Cormor. Je comprends pas l'anglais, mais apparemment, ça parle de ça. Ouh, il y a une arme. Petite arme. Bon ben on va commencer. Hein. Je sens que je vais me chier dessus mais bon. Putain ça y est, ça commence. Non. Sinon, j'ai pas aimé ce couloir donc on va éviter. On va passer plutôt par là. Tiens, vous, je dis pas en plus combien je me chie dessus, il est presque 1 heure, 2 heures du mat passé. J'aime flingue, ça veut dire qu'il va se passer des drôles de choses. Moi, je viens de récupérer des munitions. Au moins, ça me fait un contrôle. Oh, putain, laisse-moi tranquille. Je sais pas, je m'y attendais vachement qu'elle avoir une couille. Je sens que là, plus la clé, c'est pour le couloir de merde au fond là-bas. Putain, il va s'arriver comme je sais pas quoi la merde là. Vas-y, j'ai perdu des vies, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai visé 2 fois dans la tête en plus. En plus le mec il marche lentement. De quoi me faire bien chier. Il va se passer encore quelque chose derrière.
là, commence pas à me faire chier, toi. Ouh là là. Bonjour. Allez, tire. Le truc, il est plus gros qu'un chien. Et il aboie comme un chien, quoi. Enfin, il chuchote comme un chien. Au moins, ça m'ouvrira la clé. Il n'y avait pas cette lumière, là. Je sens que ça s'est passé une grosse couille. Non, ça va. Est-ce que je dois recharger, au fait? Non, on peut pas. Génial. Je suis tout content. Non, pas cette porte. Moi, je vais revenir en arrière. J'espère pas. Quelle porte? Ah, il peut sauter. Non, mais dans tous les cas, ça m'aidera pas. Hein. Bien mignon de sauter, le gars. Bon, cette porte, elle s'est pas ouverte. Que j'ai appris une clé. C'est pour ouvrir une porte. On est bien d'accord. Ben non. Non, il n'y a pas de porte là. Ben non, on retourne en arrière. Putain, franchement, il peut pas courir. Ah, je peux courir, mais... Ouais, mais là, non. Ça ne m'ouvre pas. J'ai bien une clé. Puis il me reste quoi? 60 points de vie. Et de vie, c'est faisable. Il faut juste me dire par où je dois sortir et rentrer. Que j'ai bien fait ouvrir une porte. Et j'ai bien une clé. Non. Non plus. Ça me prend la tête là. Alors attends. Ouais, ça se voit pas. Alors je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais même pas le savoir. Peut-être en haut là. Peut-être qu'il y avait une porte que j'ai pas dû ouvrir. Ah mais putain. Je peux courir mais j'ai pas le bouton qu'il faut. Bah, est-ce qu'il y avait une porte là? Non, il y a des meubles, là il y a une mort que j'ai tué. Non, c'est par là. Oh là là. Par où je dois y aller? Putain, on dirait un flingue de... Comment ça s'appelle? Counter Strike. Je suis pas sûr à 100%, mais on s'y ressemble. Ou Half-Life, excusez-moi, je suis tellement nul en anglais. Bon, là il y avait le petit bouton qui marchait. J'ai bien pris une clé. Je devrais nettoyer leur toilette, mais bon, vu avec le truc qu'il y avait à l'intérieur, tu m'étonnes que ce soit sale. Bon, c'est pas par là. Alors ça va être une des portes que... Au moins que j'ai pas chopé une porte qu'il fallait.
Si vous voyez comment je suis en train de jouer, vous serez en train de rire avec le clavier. Donc ça n'a pas l'air d'être par là. Ouh là là, j'ai mal. Ça ouvre quelle porte? J'ai bien chopé une clé, à moins que j'ai loupé un passage. Mais j'ai le doute fort. Que j'ouvre mal la porte, je sais pas. Alors, on va fouiller vraiment bien, mais bon, j'ai bien fouillé, me semble. Peut-être ici, vu que ça a l'air bizarre. Alors qu'il y aura une couille ici. Déjà, putain, qu'est-ce que tu vas faire dans un truc pareil? Tu sais qu'il y a des trucs qui vont. Eh, les gens, les amis, depuis tout à l'heure, je regarde derrière moi s'il m'arrive à rien. En tout cas, c'est mal fait ça. Bon. Là, il n'y a pas de porte, on est bien d'accord. Juste à l'arbre, elle est fermée. Donc, on va refaire. Peut-être que j'ai loupé une porte quelque part. Je ne sais pas où. Oups. Je ne sais pas. Oups. Ouais. D'avoir une porte quelque part. Sûr. Peut-être qu'il y a un petit détail par là. Là, il y a un bureau. Là, il y a une queue. Bête. Là, il y avait un mort qui m'a fait une clé, une peur bleue et une clé. C'est pas mignon en plus. Il n'y avait rien. Donc, on va retourner dans l'autre salle où j'ai récupéré la fameuse clé. Avec le fameux genre chien bizarre métamorphosé à je sais pas quoi. J'aime pas chercher comme ça. Plus là, on dirait qu'il y a une lumière d'un coup qui arrive, il n'y a plus rien. J'ai pas compris pourquoi. Bug du jeu, qui sait. Ou peut-être y a un passage par là. Vu que les murs se ressemblent. Alors, on va. Là, pas de porte. Peut-être une porte par là, que j'étais pas vu. Lui, je l'ai tué. Là, j'ai pris la clé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah! N'importe quoi. Je l'avais même pas vu. Ça va ouvrir une des salles. Que c'est cette porte, dis-moi que non. Non. Par là. J'ai peur, mais bon. Oh putain, et en plus, il y a un médic, donc ça veut dire qu'avoir une belle couille.
derrière les films. Oh! Ta mère, ta mère, ta mère. Je ne peux pas faire des pleurs comme ça. Je sais même pas c'est quoi ça ouvert et c'est quoi ce nom. Tiens, qu'il y a un couille. Hein? Je rentre en train de danser. Et toi? Ah d'accord. Ok. Ah si elle se met à danser elle aussi. Oh putain ça m'inquiète tout ça. Et je peux les tuer? Ah ouais. Oh putain mais c'est drôle mais c'est quoi ce truc? Bon, ok on va partir de là parce que bon peut-être rien de passer une couille. Ouais mais il me reste 9 balles. Et je sais même pas ce que ça a ouvert l'autre là-bas. Est-ce que ce sera faisable? J'ai vachement de doutes. Oh putain. Lui, je l'ai évité de justesse. Hein. Oh oh. Charger. Si tu bouges sur la tête de ma mère, je t'écrase. Oh, oh. Oh putain. Oh putain. Au revoir. Oui, 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 c'est ça, oui. Allez, salut. Je suis mort. Vivant. Bug. Oh, j'ai gagné. Ah, ben voilà. Putain, il y en a même la musique de Sonic. Bon, ben, c'était pas mauvais comme jeu. Des fois, parfois drôle, parfois un peu cliché. Mais bon, ça a été cool. Bon, bah, la prochaine fois pour de nouveaux tests. Bisous!